Et bien salut à tous, c'est Darko pour une nouvelle vidéo de notre Let's Play sur Hollow Knight et je vous retrouve aujourd'hui pour notre 22e épisode. Et là vous allez dire, mais Darko t'es où là? En fait, je vous explique, j'ai fait les trucs de mon côté, hein, toutes mes confuses, hein, j'ai fait un petit peu d'exploration. Que je vous dise déjà, primo, hop... là, voilà. Donc mon aiguillon, je l'ai encore amélioré. J'ai récupéré un morceau de masque qui était, que je vous montre, qui était là, ici. Enfin là pour être exact en fait. Donc cette partie-là, je l'ai exploré. Et j'ai récupéré également un morceau de réceptacle d'âme ici. Il y avait une fontaine dans laquelle il fallait mettre 3000 géos, excusez-moi. 3000 géos que j'ai mis également, donc quand j'ai foutu à la fontaine, c'est pour ça que j'ai moins de géos aujourd'hui. Et j'ai vaincu le fantôme du boss qu'on avait croisé à l'épisode précédent. Comment c'est le guerrier, le chevalier corrompu, si j'ai pas de bêtises. Et ça révèle quelque chose que je vais vous montrer tout à l'heure, bien entendu. J'ai un commentaire de Renkinoko qui me donne quelques indices en mode « Je te conseille fortement le palais. » Pour l'instant, de toute façon, le palais, je n'y ai pas accès. Donc oui, je suis au niveau d'une... Voilà, l'enceinte du palais est ici. Et je suis au niveau d'une des stations de coloptères que j'ai trouvé en faisant un petit peu l'exploration. Et de toute façon, comme je disais, le palais, je n'y ai pas accès puisque pour ça, il me faut l'aiguillon des rêves éveillé. Et on va aller voir la voyante, bien entendu. Mais ce qui m'était conseillé de faire, c'est d'aller plutôt dans cette zone-là. Donc de reprendre le tramway. Même si j'ai envie de voir un petit peu le zigouigoui qui est ici. Parce que je rappelle qu'ici, il y a un zigouigoui qu'on ne pouvait pas prendre puisque il y avait... Il y avait de l'acide et je pouvais pas passer. J'aimerais bien aussi aller voir au niveau du lac Dunn. Et ici aussi. Il y a plein d'endroits qu'il faut qu'on voit. Il y a plein de zones qu'il faut qu'on voit. Et bien entendu, vu que maintenant j'ai le double saut, j'aimerais bien aller au sommet du Mont Cristal, puisque je sais qu'il y a quelque chose d'intéressant là-bas. Donc, allons au niveau du repos éternel. D'abord, on va aller rendre visite à la voyante. Et puis on va voir ce qu'elle va nous donner comme récompense parce que j'ai 1300 essences, 1492 essences, ça commence à faire pas mal, ce qui est plutôt bien. Et autrement, j'ai littéralement créé un monstre puisque je vous avais dit, c'est un petit moment déjà, ma copine je l'ai offert Hollow Knight sur Switch. Moi actuellement je suis à 27 heures de jeu, elle en est à pas loin de 70 heures de jeu. Bon, elle est légèrement en avance sur moi, mais ça va. Ah oui, j'ai trouvé aussi une clé simple, au passage. Et ça va être plutôt sympa, tout ça. On va tout explorer. Ah, Illumineur, vous êtes revenu. Laissez-moi jeter un coup d'œil sur l'aiguillon des rêves. L'aiguillon des rêves est si brillant. Il contient plus de 1200 essences. Si j'observe de plus près, je peux voir tellement de souvenirs en train de m'observer aussi. Il en existe tellement qui demandent que l'on se souvienne d'eux. Aucun de nous ne peut vivre éternellement. Alors nous demandons à ceux qui nous survivent de ne pas nous oublier. Si tu gardes quelque chose en mémoire, alors il continue de vivre avec toi. Mais si tu l'oublies, tu l'enfermes loin de toi à jamais. C'est la seule mort qui compte réellement. C'est ce qu'ils disent. Assez de tout cela maintenant. Prenez cette relique et revenez me voir quand vous aurez rassemblé 1500 essences. Partez. Un œuf arcanique. Qu'est-ce que c'est? Ah! C'est juste une relique à revendre. Ok. Ça pourrait être pas mal. Donc ouais. Ça, pour l'instant, c'est bouclé. Pourquoi est-ce que je passe par là? C'est pas du tout ici que je voulais aller. La musique est fort, fort agréable ici. Donc, on va retourner à Dirtmouth rapidement. Parce que j'aimerais vous montrer quelque chose. J'aimerais vous montrer quelque chose qui m'a perturbé. Pas qu'un peu même d'ailleurs. Qui m'a... je peux dire faire mal au cœur, mais presque. C'est... étrange. Les routes contaminées.
Et donc il y a des nouveaux types d'ennemis, genre lui c'est un putain de kamikaze de sa mère. Voilà. C'est génial, hein, évidemment. Il y a des créatures qui sont plus haut level. Bon, il y a toujours les anciennes créatures qui sont bas level, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Genre, il a réussi à me toucher. Saloperie. Ah oui, c'est vrai qu'ils explosent en plus. Non mais... Je croyais que je l'avais tapé, mais non. Donc voilà, c'est le merdier, complètement le merdier, mais tout va bien. Le problème, c'est que ça limite également... il y a certains passages qui sont fermés... Putain, mais... Non mais... on en parle du fait que je fasse complètement, totalement de la grosse merde. Ou... comment ça se passe? En plus, quand ça explose, ça fait mal, ces conneries. Hein. Toi, j'avais... Ouais, non, j'ai plus rien, t'as plus rien à me donner pour l'instant. J'ai pas encore découvert d'autres de tes petits nymphas. Non mais... Bon, l'avantage, c'est que hein, ces trucs-là, c'est uniquement du côté des routes oubliées. Vous allez voir, je vais décéder, hein. Je vais complètement décéder. Donc ça va pas plus loin que les routes oubliées, c'est le vert chemin est encore épargné, c'est plutôt cool. Et vous doutez bien que l'origine de cette contamination, ça vient d'ici, hein, bien entendu. Donc pourquoi est-ce que je voulais aller à vert chemin, moi? Oui, parce que je voulais aller au niveau du lac Dunn. Voilà. Donc là, ça va être un petit peu de backtracking. Même si je sais que... voilà. Mais bon, m'embêtez pas. Elle est bien ma nouvelle épée, hein, elle fait bien mal. Voilà. En plus je peux me balader dans la San Pellegrino, maintenant il n'y a pas de souci. Donne-moi ton âme toi. Merci. Tac, on va se régénérer sur le banc qui est au-dessus. Voilà, très bien. Alors, le lac Dunn, c'est par là-bas. Donc on va y aller. Couché. Couché. Bravo. Très intelligent ça. Hop. Vous, on s'en fout un peu. Faut que je monte, non, si j'ai pas de conneries. Voilà. Est-ce que j'en profiterai pas pour récupérer de la vie bleue? Ouais, si. On va récupérer un petit peu de bonus. Ouais. Les points de vie bonus qui se barrent. Sérieusement. Aucun respect. Ouais. Je crois. Mais je ne suis point sûr que c'est par là. Ouais, c'est par là. Non. Non. Voilà. C'est ici qu'on avait croisé Hornet, si je ne dis point de bêtises, pour la première fois, ouais. D'ailleurs, ouais. C'est un cadavre, mais on s'en fout. Qu'est-ce qu'on a par là? Normalement, on devrait arriver au niveau du lac. D'ailleurs, au passage... Voilà. Très bien. Hop là. Et donc là, je peux passer maintenant. Attendez, il y a un... Non, je croyais qu'il y a un passage encore à gauche, mais non. On arrive où ici? On arrive où? C'est une zone que je ne connais pas, évidemment. Hein. Donc c'est l'exploration. Y'a quoi ici? Non, y'a que dalle. Ok. Bien. Et ici, ça mène ici. C'est un passage. Ok. Ok, bien. Ah, il y a aussi un truc qu'il faudrait que je fasse dans la...
Pourquoi ça tremble? Il y a un truc qu'il aurait fallu que je fasse dans les voies d'eau impériales, c'est pas grave. Mais wait. Pourquoi ça tremble? Et pourquoi est-ce que je suis déjà sur le chemin du retour là? C'est quoi ce bordel? Il manque un truc là. Il manque quelque chose. J'ai loupé un détail là. Ah! Oh! Forme d'un. Alors, un charme qui révèle la forme véritable d'un en son porteur. En canalisant l'âme, son porteur change de forme et peut se déplacer librement à travers les ennemis pour les éviter. Mais c'est génial! Pour les boss fights, c'est excellent. C'est absolument génial comme truc. Bon bah on a fait un petit détour qui a été ma foi fort utile. Ah bah écoutez. Hop. Ah il faut aussi que j'aille au niveau de la capitale parce qu'il y a une zone à laquelle je pouvais pas accéder parce que j'avais pas le double saut. Il y a plein de zones. Plein de zones maintenant qu'on a plein de pouvoirs, c'est... Voilà. Cette bestiole, j'avais déjà tué. Vous inquiétez pas, j'en avais déjà tué une. Le résultat, je l'ai dans le monstre Dex. Hop. Résultat. Là, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prendre le coléoptère et d'aller justement au niveau... au niveau de... Bah la capitale. Mais pas directement la capitale, j'aimerais d'abord aller dans les voies d'eau royales. Attendez parce que... Je vais faire quoi? Retourner dans le lac de Verchemin, c'est fait. Traverser le lac, c'est fait. Aller dans le boyau en face du vendeur de charme. Ah oui. On va y aller. Oh, il y a plein de trucs qu'il faut que je fasse. Et allons au bout de la caverne du cristal, ça c'est prévu. Le mont cristal, faut que j'y aille aussi. C'est pas du tout par là qu'il faut que j'aille, c'était à gauche que je voulais aller. Quoique, est-ce que je peux retraverser tout le truc? Ouais. Ça va être casse-gueule, je vais plutôt aller à la station de l'arène. Station de l'arène, donc pour ça, faut que j'aille au coléoptère qui est en bas à gauche. Non, parce que pour l'instant, les routes contaminées, je suis moyen fan, on va dire. Je suis très moyen fan. Hop, donc, station de l'arène. Parce que là, tout va bien. Plus l'avantage, c'est que station de l'arène, je vais arriver dans le village des Mantes avec le... Enfin, pas exactement, mais... au niveau des cavernes nocives. Les cavernes nocives, c'est une zone que j'aime particulièrement. Parce que, justement, il y a le village des Mantes qui est pas loin. Et les Mantes, maintenant, c'est mes copines. Elles sont super sympas, les Mantes. Et surtout, genre, les grosses bouboules comme ça, là, je les one-shot, maintenant. Ça dégage. Ouf. Sauf que c'était pas par là, Derko. C'était par au-dessus qu'il fallait que tu ailles. Il est vraiment très pratique, ce double saut, hein. Voilà. Ok. Alors ouais. Mais comment dire que ça... Non. Voilà. Toi. T'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Voilà. Là, est-ce qu'il va y avoir encore un champ... Oui, il y a un champignon métalleux. Mais genre, il m'a touché. Non, en plus, ça m'a complété le monstre Dex sur lui. Très bien. Ok. J'ai la flemme de me rapprocher, c'est pour ça. Non mais... Derko, t'es mauvais. T'es mauvais, Derko. Voilà, on va en profiter pour aller sauvegarder au niveau du vendeur de charme fragile.
D'ailleurs, je sais comment faire pour les virer leur fragilité. Mais d'ailleurs, t'as pas l'autre charme fragile à me montrer, non. Ok. Mais pour ça, c'est dans un DLC, et DLC qu'on débloquera plus tard. Voilà. Hop là. Alors. Ah, je peux pas monter plus haut comme ça. Ta mère. Y a quoi en face? D'accord, il y avait une créature. Qu'est-ce qu'on a par là? Et surtout, faut que j'aille voir en bas aussi, parce que là, on est... J'aime pas les Broom Canyon. Presque elle peut me shooter. Ah, d'accord, ok. Non, mais ouais, d'accord, c'est la tête chercheuse en plus. Nique-toi. Nique-toi bien, la méduse. Très bien, donne-moi de l'essence, toi. Et on arrive au niveau des routes contaminées. Mais on est où, là, dans les routes contaminées? Oh. C'est vrai que ici il y avait un. Bravo. C'est vrai que ici il y avait de l'acide. Ouais. Ok. Bon, on va redescendre donc. Parce que là c'est pas intéressant. Par contre, j'ai pas envie de redescendre dans le canyon Morum à proprement parler. J'ai loupé la sortie, c'est pas grave. Y'a quoi en bas? Curiosité. Genre là, ça mène où? Je m'en fous, je nage en dessous de vous. Allez vous faire foutre. Ah d'accord, donc ce truc là explose. Putain, mais je fais pas gaffe à chaque fois. Ok. En fait, non, ça... J'ai pas envie. Je veux juste pas y aller, en fait. Les cavernes... Enfin, le canyon brune, c'est de la merde. Au-dessus, il n'y a que dalle, ok. Ouais, pas le canyon brune pour l'instant. Au pire, de toute façon, lorsque je récupérerai... C'est pas passé loin. Les données de la carte, enfin, la carte de la zone, pourquoi pas, mais là... Bravo. Bravo, l'Erco. Bon, par contre, je remonte, hein, à un moment ou à un autre. Ça fait du bruit de bubule quand ça explose. La musique me fait un tout petit peu penser au Mont Fendrana dans Metroid Prime. Oh, Dizo. Ce royaume n'abonde-t-il pas de surprises? Un édifice au sommet d'un lac d'acide. Malgré ce spectacle, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une sensation familière. Quelque chose attise mon esprit, bien que je ne peux pas encore dire quoi. J'ai toujours cru que c'était mon désir ardent pour l'exploration qui m'avait conduit jusqu'ici. Mais maintenant, il semblerait que c'était pour une autre raison. Ouais, alors non, parce qu'en fait, je crois savoir où est-ce qu'on est. On va éviter d'y aller.
c'est un endroit pour le masque, on va éviter d'y aller. Cet édifice m'appelle. Ouais, on va éviter d'y aller. Pas pour l'instant, on va éviter de péter les masques. Non, parce que en fait, Barbara, elle, elle est allée en mode « Oh bah, il y a des masques, vas-y, je vais les péter. » Et pour l'instant, voilà. Hein, je vais éviter, j'attends encore un petit peu. Je vais attendre qu'il ne reste plus que ça à faire pour commencer à péter les masques. Parce que je suis quelqu'un de... qui aime bien l'exploration, qui aime bien être méthodique, tout ça. Voilà, bon, on va remonter donc. Il y a quoi juste là à gauche? J'avais déjà... Bref. J'ai pas la carte, ça me fait chier. Putain, ils sont sérieux là. Vous avez vu ce qu'il y a à droite? Je dis jamais non à quelques géos en plus, moi. Aïe. C'était par là? C'était par là. Donc il y avait quoi en bas? Parce que je suis monté directement comme une brutasse, mais il y avait quoi tout en bas? Ok. Ok. Ah. Je pensais que j'allais pouvoir te choper, mais non. Comment ça, j'en ai manqué un? J'en ai manqué un? J'ai manqué un rouge. Ah! Alta, je suis à 1500, je vais pouvoir aller voir la Vioc. Pour aller voir la vieille. Ok, donc je reviens ici. Ah oui, donc en fait c'est tout. Fallait que j'aille vers là, hein. D'accord. Mais j'ai pas envie d'aller. J'ai pas envie d'aller ici, moi, en fait. Renkinuko, tu m'as fait un conseil de merde là, en fait. C'est un conseil de merde, ça. Bien sûr. J'ai pas eu le temps de réagir. Je me suis fait déboîter la face, quelque chose de bien. Mais je suis un boulet. Je le vois en plus que ça va me péter à la gueule. Je fais quoi? Je marche dessus quand même. Saloperie. Alors, passer en dessous, ouais, ça va faire mal. Non, ta mère. Ok, faut que je fasse le double saut et le dash en fait là. Nique-toi le jeu. Nique-toi. Saloperie. On va se casser de cet enfer, hein. Tant que j'ai pas la carte, de toute façon, ça sert à rien. Donc, hein, voilà. Non. Récupère mon fantôme et puis on se casse. Je l'ai sous mon fantôme.
juste à gauche. Voilà, normalement il est là mon fantôme. Putain de ta mère la chienne maudite quoi. Je hais ces méduses. Je hais les méduses en vrai. Je hais les méduses dans ce jeu. Ta mère, complètement ta mère. Ok. Mon âme, tu es là. Mais vas-y. Comment je me fais violenter dans cette zone, quoi? C'est un tout petit peu abusé. Voilà, moi je me casse. Hein. Vous ne voyez pas, je me casse, c'est sans moi. Faut que j'aille en face. Voilà. Pour l'instant, ça, hein, on attend un petit peu. Ah, elle va me saouler cette zone. Je préfère limite le nid profond à cette zone, vous voyez. Il y a aucun problème pour le nid profond, par contre, cette zone, niette. Juste niette. Hop là. Par contre, je viens de voir un passage. Je viens de voir un passage. Attendez, j'ai loupé un truc là. Je viens de voir un passage. Là en dessous. Genre, je peux pas passer en dessous là. Hop là. Non, je peux pas passer en dessous. Il y a un truc à droite. Ah non, ok, c'est juste une cascade. Ok, j'ai rien dit. Résultat. On va retourner à la station de l'arène. Quoique, je peux aller directement à la cité des larmes comme ça, hein, ici. Parce qu'il y a une zone que j'aimerais bien visiter. Ah d'ailleurs, il faut que j'ouvre ce passage là. Je sais toujours pas comment l'ouvrir, mais... Cette porte qui est pas ici, mais là, celle d'à côté. Je sais pas comment l'ouvrir. Mais ce serait fort pratique parce que regarde où est-ce qu'elle m'amène. Elle m'amène sur le grand ascenseur qui est ici. Et franchement, si je pouvais l'ouvrir celle-là, ce serait le pied. Alors ouais, non. Je passe. Oh! Bonjour monsieur. Je cherchais cette zone depuis depuis très longtemps, mais je pensais sincèrement qu'elle était à vers chemin. Attends mon enfant, pourquoi es-tu venu ici? Es-tu venu pour dompter cette terre sauvage en ruine? Beaucoup d'autres sont venus pour purifier cet endroit, mais éventuellement, tous ceux qui demeurent trop longtemps ici finissent entièrement consumés. Oui, même les insectes sauvages qui se cachent juste en dessous de nous. Parfois, ils étaient fiers comme toi, mais maintenant, ils ne sont plus que des monstres. Prends garde aux rêves de gloire, mon enfant. Retourne de là d'où tu viens et ne reviens jamais. Je vais te défoncer la gueule, mec. Ok. Là, j'étais pas du tout bien comme il faut. Je fais de la merde. Ok. Tôt.
trop tôt. J'étais mal placé. C'est plus un jeu de rythme. Pas compliqué, ça va. Mon esprit s'éclaircit. Étais-je endormi, mon enfant? Ah, je me souviens. Ces fières dames étaient-elles véritablement des monstres? Je me souviens d'elles maintenant, intelligentes et vives. Pourquoi les ai-je craintes ainsi? S'il existait bien de la démence dans ce village, c'est moi qui en étais la cause. Elles avaient raison de me chasser. Il parle des dames mentes, hein. Quand j'ai attaqué, elles avaient raison de tuer. De me tuer, moi. Ah. Eh ben, ça me fait quelques essences en plus. Hop là, on montait à 1713 essences, je parie. 1613. Oh, t'as rapporté que 100. Oh, c'est pourri ça, monsieur. Nous nous souvenons de l'ancien. Ok. Bon, en même temps, il était pas spécialement difficile, le mec. Ok, bon. Plutôt bien. Hop, ouais, c'est par là. C'est par ici. Nickel. Et direction l'entrée de la capitale. Nickel. Ouais, j'avais ouvert ce passage là hors caméra aussi pour pouvoir entrer à la capitale parce que la porte est fermée. Ça permet aussi de sortir au passage. Ce qui est pratique quand même. Très pratique. Alors oui mais non. Voilà. Il est vraiment très puissant cette aiguille améliorée maintenant. Hein. Et honnêtement, je vais pas me plaindre. Hop. Hop, 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 hop. Faut que j'appelle l'ascenseur, sinon je vais me manger les picots sur le toit de l'ascenseur. Putain, on est déjà une demi-heure de vidéo, j'ai tellement pas envie de m'arrêter. Ce jeu, il est tellement bon. Ma copine, pareil, elle a du mal à s'arrêter parce que c'est... Bon, elle galère un peu plus que moi, c'est normal, elle s'appelle une gameuse à la base. Mais elle est complètement accro à ce jeu. Et ça me fait tellement plaisir de voir que qu'un jeu qui, normalement, j'étais à des milliers d'années-lumière de penser que ça lui plaire, qu'elle le kiffe autant. Et je pense que Metroid Prime 4, vu qu'elle a la Switch, je lui prendrai quand il sortira. Parce que Metroid Prime 4, quand même, Metroid Prime, quoi. Je rappelle, hein, Hollow Knight, c'est un Metroidvania. Donc, ouais. Il y a des chances que si Hollow Knight lui plaise, Metroid Prime lui plaise également. Donc, que je vous montre. C'était à côté, de toute façon. Donc, non, je vais pas vous le montrer. Mais, j'ai trouvé un passage. Enfin, techniquement, c'est pas moi qui l'ai trouvé, c'est ma copine qui m'a dit « Eh, regarde, je suis allé ici !» Je fais « Mais t'es où ?»« Bah, j'ai trouvé un passage secret ici. » Je fais « Ah, faudra que je le fasse, tiens. » Donc, on va y aller. Donc je vais vers le passage secret, histoire de le noter. Et on va ensuite... On va l'explorer ensemble. Hop là. Alors oui mais... D'accord, il a foncé avec moi. Ça va être... Oui, c'est bien. Dégage. Réveille-toi. Voilà. C'est bien. Donc le passage secret est ici. Voilà, fallait le trouver, fallait péter un mur, mais voilà, moi je vous cache pas que j'ai pas du tout eu l'idée de le péter, mais passons. Aïe. Ok. Il y a des trucs chelous qui se passent ici, mais passons. Voilà, voilà. Il y a une bestiole là-bas. On va voir ce qu'elle va nous dire.
On a vu l'ombre d'une grosse bestiole aussi. Ah ouais, d'accord. Un anus qui attaque. Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, ça aime pas la magie. C'est dégueulasse ce truc. Ok. Il y a quoi par là? C'est par là que je viens, c'est de par là que je viens. Tout à fait. Bravo Derko. Tu sais te repérer. Demain on apprendra à lasser nos chaussures et à compter deux par deux. Voilà. Brutage de ces créatures est infâme. En plus elles sont chiantes, c'est des sacs à PV ces conneries. Ah c'est vraiment des sacs à PV hein, ces conneries. Ok. Je peux très bien ne pas les tuer, je peux juste les esquiver. C'est ignoble en fait comme bestiole. C'est juste ton complètement ignoble comme bestiole. Dit. Voilà. Ça fait des entrées pour le monstre Dex, donc au pire, je les flingue. Par contre, ça fait perdre du temps. Ah, balle, ces conneries. Attendez, non, il y avait, j'ai entendu une bestiole qui... C'est complètement dégueulasse en fait. Tu veux pas te décéder s'il te plaît? Voilà. Très bien. Donc là, il y a quoi? Que dalle, génial. Ah! Attendez. Il y a quelque chose là? À droite. Je peux pas passer par là. Wait. C'est quoi cette merde? Non, là, je suis bloqué aussi. Là, je suis retour en bas. Ok, bon. À gauche, est-ce qu'il y a quelque chose? Ouais, il y a quelque chose ici. Un coffre, c'est noté. Et est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, on remonte et on continue l'exploration. Mais ça me fait chier parce que... Ah ok, merci. Ça fait un raccourci, c'est toujours bien à prendre. Et donc là à gauche, ça me fait pas encore sortir de la zone. Bien. Mais il y a toute une zone que j'ai pas encore vue. Attendez, wait. Ça va m'énerver. Je pense que je vais pouvoir y accéder par au-dessus sur une autre zone. Ouais, je pense que c'est ça. Ça va être le chemin retour. Ça va être le chemin retour. C'est typique de ce jeu. J'ai 40 minutes de vidéo. J'ai pas envie de m'arrêter, merde. C'est chelou. Enfin, pas chelou, relou plutôt. Ok. On a quoi à droite? Un cul de sac. Très bien. On est où? Ok.
Y'a quoi à gauche? Fosse à ordures. On est d'accord que je suis pas du tout à un endroit où il y a un masque. Je suis pas du tout à un endroit où il y a un masque. Attends 30 secondes. Attends juste 30 secondes. Quelques jeux en plus. Oh, il y a des papillons. Oh, qui me montre la sortie, trop bien. Ouais. Il y a une sortie. D'accord, donc la sortie est par là, d'accord. Bon à savoir. Ok. Donc la sortie est ici. Bien. Bon, alors maintenant, voyons voir qu'est-ce que c'est que cette saloperie. C'est quoi? Un coffre en plus. Oh, un coffre en plus. Ça peut pas être un ennemi, ça peut pas être un boss. Que quand enchaîné avec un verrou simple. Ah. Le syntoniseur divin. Dispositif qui résonne avec des êtres à grand pouvoir. Cherchez des lieux d'Aloneste, syntonisez leur puissance, de par leur force, faites votre ascension. T'as pas un truc moins mystérieux en fait en termes de définition? Hein? Mais comment je... Ah, il est là. Brille après avoir vaincu de puissants ennemis. Il y en a 4. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Blasphème! Blasphème scandaleux! Tyran, petite faufile! Tiens, le plus petit petit! De quel endroit t'y pénètre en ces lieux? Dis quel droit t'y pénètre en ces lieux? Tu sais, ça fait très accent maghrébin. Dans la maison des dieux, envole-t-y et disparaît. Disparaît. Ok. Qu'est-ce que putain de quoi je suis où? Qu'est-ce que putain de quoi je suis où? C'est un DLC ou comment ça se passe? La maison des dieux. Y'a quoi au-dessus? Y'a quoi au-dessus? Oh, un banc. Carte mise à jour. Oui, mais j'ai pas de carte. Quelque chose me dit qu'il n'y aura pas cornifère ici. Mais c'est quoi cette zone de ces morts? Enfin, de ces morts, elle est magnifique. Hein. Là n'est pas la question, mais... Ok. Bonjour. Je peux parler à aucun d'entre vous en plus. Vous êtes pas drôles les mecs. Oh. Défier. Panthéon du maître. Cherchez les dieux de l'aiguillon et de la coquille. Lien, aiguillon, coquille, charme, âme. Commencez. Hein? C'est le Colisée? Je vais me faire casser la gueule en deux. Qu'est-ce qui se passe? Misérable, tu as créé ta propre destruction. À travers les combats sacrés, nous syntonisons les plus grands êtres de ce royaume. En franchissant ses portes, tu as défié les dieux de ce royaume. Tu es considéré l'égal de ce panthéon et de ses maîtres. Brandit ti arme. Ça me saoule en fait de dire ça. Misérable et sois damné pour ton arrogance. On va dire ça comme ça plutôt, c'est mieux. Hein. Mais ok. Mouche vengeresse. Roi. Ok, viens là. Ok. Trop tôt.
Ok. Arrête de gueuler. Tu me gonfles là. Ok. 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 D'accord. Je cherchais celle-là. Ok. Viens là. T'es chiant, hein. Viens me battre. Oh putain, j'ai loupé en plus. Je fais de la merde. Là, il est résistant quand même, hein. Je l'ai gué au niveau 3. Hein. Merde. Ah d'accord, ok. Non mais ouais, d'accord, ok. Donc on enchaîne les boss là. Ça va être long. Ah mais en plus je fais de la merde quoi. Je fais vraiment de la merde. Ça va que je récupère facilement de la vie hein. Pourquoi est-ce que j'ai pas bougé? Je sais pas. Y'a combien de boss que je dois flinguer comme ça? J'étais tellement défoncé en mode cauchemar mec, donc cherche même pas. T'as aucune chance. Je connais tous tes patterns, je connais tous tes coups. Je vais te défoncer la gueule. La petite vengeance personnelle les mecs. Je le connais tellement par cœur celui-là. Mais en mode beaucoup, beaucoup plus vénère, il est 15 fois plus rapide. Oh là là. Pauvre petit. Tu ne sais donc pas que tu vas décéder. Non mais, par contre, tourne-toi s'il te plaît, le petit chevalier. Oh là là. Mais. Oh, ils sont tellement prévisibles tes coups maintenant. Oh, ça fait pitié. Franchement, j'ai pitié de toi, monsieur. Sans une petite erreur à la con, ça a été imperfect. J'y crois pas. C'est bon, t'es décédé? Merci. Dites-moi que c'est fini, il faut combien de... Oh putain, sérieux. Non, lui par contre, pas glop. Non, sérieusement les gars. D'accord. Ah, il me faut le double. Faut que je saute double deux fois. Derko, tu fais du caca là en fait. Tu fais de la merde.
Oh oh oh, c'est qu'il a failli m'avoir en fait celui-là. Non mais, je fais de la merde. Hop là. Hop, ah putain, ta race. Ah, faut que j'arrête d'essayer de le défoncer. Faut que j'arrête d'essayer de le taper deux fois. Une fois à chaque fois, c'est très bien. Ça prend le temps qu'il faudra. Je passe à tes trop. Très bien. Ça va, c'est les boss qui sont assez. Je vais pas dire simples, mais qui sont largement faisables. C'est pas les boss sur lesquels j'ai le plus galéré. Je commence à prendre la confiance, c'est pas bon ça. Oh, je pensais pas qu'il allait me toucher, enculé. Ok, mais pas mal. C'est bon? J'ai gagné? Oh putain! Ils sont sérieux, ils mettent Hornet. Putain. Avec ses pouvoirs cheatés, évidemment. Mais maintenant, moi aussi j'ai les pouvoirs cheatés. T'es stun, j'en profite pour me soigner. Ah, je pensais pas qu'elle allait charger. Ah, celle-là, je l'ai cherchée. Là, on est sur un combat, je peux dire d'égal à égal, parce que bon. Mais on va dire que là, enfin, j'ai des pouvoirs qui sont dignes des siens. Je me laisse taper comme une grosse merde. Oh putain. Là, la cherche. Là, j'ai cherché quand même. Oh, je me jette dessus. Bon, j'ai réussi à la vaincre quand même. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fini? J'ai fini? Ils me refont le plein d'âmes en plus. Ça c'est cool, ça veut dire que j'ai pas fini. Écoutez, là on est quand même à 55 minutes de vidéo. Ça me paraît être un épisode excessivement bon, excessivement long. De mon côté, je vais continuer l'alcoolisé. Je vais terminer cette épreuve là. Et on reprendra lundi. Hein, pour cet épisode-ci.
Donc j'espère sérieusement que cet épisode numéro 22 vous a plu. C'était pas du tout prévu qu'il se passe ça, mais pourquoi pas. Voilà. Si cet épisode vous a plu, je vous encourage vraiment à laisser un petit like à la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir, et surtout comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et à la prochaine. Bye bye.